cette unique personne qui demeurera dans votre cœur jusqu'à votre dernier souffle, qui détiendra toujours un morceau de votre cœur, qui vous changera et qui aura un impact sur vous d'une manière inattendue. Et peu importe les efforts que vous déployez et quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé, cette personne fera toujours battre votre cœur et restera dans le fond de vos pensées. Vous ne pourrez vous défaire de son image résiduelle et de son ombre. Vous ne pourrez empêcher celle-ci de hanter vos rêves et vos cauchemars. Mais est-ce une bonne chose de savoir que vous avez été aimé par cette personne, que vous avez été encouragé et valorisé par cette personne qui vous a tant façonné, qui vous a construit, qui vous a transformé, qui vous a enseigné qui vous êtes et qui vous a donné confiance en vous, qui vous a montré que vous étiez digne d'un amour merveilleux et incroyablement beau. Et même si vous ne voyez plus cette personne maintenant, même si votre amour dans son ensemble n'a pas duré éternellement, il restera à jamais présent à l'intérieur de vos os, de vos cellules et de votre mémoire musculaire. Cet amour à l'intérieur de vous sera toujours aussi merveilleusement vivant. Parce que bien que cette personne soit partie aujourd'hui, elle vous a montré à quel point vous étiez magique. Elle vous a montré que vous étiez une belle personne. Son amour vous a aidé à comprendre que vous méritiez d'être heureux, avec ou sans elle. Son amour vous a montré que vous savez comment aimer et être aimé en retour, et que vous méritiez l'amour et tout le bonheur du monde. Ne traitez pas son départ comme une tragédie. Ne considérez pas son départ comme une raison pour cesser de croire. Retournez la situation et voyez son départ comme un nouveau départ. Voyez son départ comme un tournant pour commencer un nouveau chapitre. Transformez son départ en un nouveau type d'amour et de magie. Ne laissez pas son départ vous rendre amer. Ne laissez pas son départ vous faire cesser de croire. Vous avez connu l'amour pendant un court instant, vous avez fait l'expérience d'un amour vital, transformateur et plein de vie, dont beaucoup de gens n'ont jamais eu le privilège de faire l'expérience. Donc ne tentez pas de vous échapper de votre propre vie. Ne fermez pas la porte aux personnes que vous aimez. Ne renoncez pas à votre quête d'avoir une belle vie. Et ne renoncez jamais à aimer à nouveau. Vous connaîtrez encore l'amour, donc appréciez les moments que vous avez partagés et les souvenirs instantanés dans votre esprit. Évoquez les jours de gloire où votre cœur s'était senti vivre à nouveau. Laissez votre âme vous rappeler cet amour et laissez votre âme lâcher prise de cet amour. Cela ne veut pas dire que vous oublierez cette personne à jamais. Cela ne rend pas l'amour moins important que ce qu'il n'était. Cela ne fait pas de vous une personne épouvantable parce que vous avez voulu passer à autre chose. Vous devez lâcher prise afin de faire à nouveau l'expérience de l'amour, afin de tomber amoureux de votre vie et de permettre à votre cœur de s'ouvrir. Vous devez laisser cette personne partir pour vous donner une chance de vivre encore une fois. Bien évidemment, vous ne l'oublierez jamais. Vous n'oublierez jamais comment cette personne a fait vibrer votre cœur. Mais un nouvel amour vous attend. Et viendra le moment où l'amour que vous trouverez ne connaîtra jamais de fin. Et enfin, vous saurez pourquoi.